Bonjour, on va traiter un exercice sur les suites numériques, l'exercice est suivant. On considère les suites U de n, n supérieur à 1 et U de n, n supérieur à 1, définies par U de n est égal à 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus jusqu'à 1 sur n au carré, et U de n est égal à U de n plus 1 sur n. Montrant que U de n et U de n convergent, et on l'a mis limite. Bon, on va montrer qu'ils sont, il suffit de montrer qu'ils sont adjacents. Bon. On a V du N moins U du N est égal à du N plus 1 sur N moins U du N qui est égal à 1 sur N supérieur strictement à 0. Donc, V du N est supérieur strictement à U du N. Donc, on va montrer que U du N est décroissante et V du N est croissante. Montrons donc, que V du N et décroissance et U de N décroissance. Bon, on voit que tout d'abord on voit que U de N décroissante, quel que soit N appartenant à N étoile, on a U de N, bon, U de N plus 1, moins U de N est égal à la somme de 1 sur I au carré, moins la somme de I est égal à 1 jusqu'à N 1 sur I au carré. Donc, I est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à N 1 sur I au carré plus 1 sur N plus 1 au carré moins la somme de I est égal à 1 jusqu'à N 1 sur I au carré. Donc on va simplifier par cette quantité. Donc I est égal à 1 sur N plus 1 au carré qui est supérieur à 0. Donc, U de N plus 1 moins U de N est supérieur strictement à 0. Donc, cela implique que, quel que soit N appartenant à N étoile, U de N plus 1 supérieur à U de N, alors U de N est croissante. Il est même strictement croissante. U de N est croissante. Donc, il est égal à U de N plus 1 moins U de N plus 1 sur N plus 1 moins 1 sur N. U de N plus 1 moins U de N n'a rien d'autre que 1 sur N plus 1 au carré. 1 sur. Voilà. Plus 1 sur N
plus 1 moins 1 sur n, qui est égal donc à n plus n facteur de n plus 1 moins n plus 1 au carré, le tout sur n facteur de n plus 1 au carré, qui est égal bon, à n plus n au carré plus n moins n au carré plus 2n plus 1 sur n facteur de n plus 1 au carré, qui est égal à n au carré plus 2n moins n au carré moins 2n moins 1 sur n facteur de n plus 1 au carré. Donc n au carré moins n au carré, 2n moins 2n, donc il me reste moins 1 sur n. Et bien donc, égal à moins 1 sur n facteur de n plus 1 au carré, cette quantité est strictement négative, donc quel que soit n appartenant à n étoile, v de n plus 1 moins v de n est inférieur strictement à 0. Alors quel que soit n appartenant à n étoile, v de n plus 1 est inférieur à v de n, donc v de n est décroissante. Bon. Maintenant, pour calculer la limite de la différence, d'accord, E de n est décroissante. Décroissante. On a V de n est égal à V de n plus 1 sur n est égal à la somme du i est égal à 1 jusqu'à n, 1 sur i au carré plus 1 sur n, cette quantité est strictement positive. Donc V de n. V de n est décroissante. Minorée par 0. Donc, elle est convergente. Elle est convergente car il est décroissant et minore par 0.
puisqu'il est convergent, donc vu du n est volé. Donc il existe un m appartenant à R tel que quel que soit m appartenant à n, à n étoile, vu de n est inférieur, bon, oui, est inférieur à m. Et comme quel que soit m appartenant à n, u du n inférieur à v du n, alors, quel que soit n appartenant à n étoile, u du n est inférieur à m. Donc, u du n est majoré. Il est majoré, donc, comme, bon, il est majoré, oui, et comme il est croissant, alors, il est convergent. Sont convergentes. Bon, il ne reste à montrer qu'ils convergent de la même limite. Et comme vu du n, pardon, vu du n moins vu du n est égal à 1 sur vu du n, quel que soit n appartenant à n étoile, alors limite de vu du n moins vu du n, lorsqu'un point vers plus infini, il y a la limite de 1 sur n lorsqu'un tend vers plus infini. D'où limite de v de n lorsqu'un tend vers plus infini, moins limite u de n lorsqu'un tend vers plus infini est égal à 0. Ici, on a séparé les limites car u de n et v de n sont convergentes. Donc, limite de v de n lorsqu'un tend vers plus infini est égal à la limite de u de n lorsqu'un tend vers plus infini. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.